Mais elle est belle. Elle était encore belle, jeune. Hein. Elle était même, sous son était très mince à l'époque. Elle dit qu'elle préférait venir laver le bungalow. De ma petite blanc. Tu vois, le bungalow, c'est bien dur là, non? En haut, il y a les planches, en bas, c'est un peu dur en bas. Un ciment. Et c'est elle qui vient ouvrir la gueule ici. Tu sais, non? Je vais te raconter ma vie. Ma vie n'est qu'elle était que merveilleux, 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 merveilleux. Tu as laissé quoi au pays? Moi, j'ai payé les impôts libératoires. J'ai eu des cafés, j'ai eu des taxis, j'ai eu mes enfants au Cameroun. Je me suis marié au Cameroun. J'ai tout eu dans mon pays avant d'arriver ici. Toi, tu parles à qui? Les jours merveilleux, la fête joyeuse. Les jours merveilleux. Toi, tu as jamais eu les jours merveilleux. Parce qu'avant de voler, tu es parti voler, tu as cassé la tuerie de la tontine, de ta pute de mère. Parce que tu ressembles toi à ta mère, parce que ta mère est même geste que toi. Parce que ta mère avait une petite veste pas à Kribi. Quand elle finissait de boire le vin, on a couché partout. C'est la première femme. C'est la première femme qui s'occupait de vous. Tu étais à quel niveau d'école? Tu avais eu le CP? Une personne qui a eu le CP peut parler français comme tu parles français là. Tu es une pourriture. Maman, tu ne sortais pas avec nous. Ou alors tu allais à ton village. Hein? À la rue Mermoz. Parce que là-bas, il y avait les déchets dans les sous-femmes, de 1500, 2000, dans les auberges, on te couillait dans les auberges. On était séparés à quoi? Ceux qui vont dans les bois de nuit des blancs et ceux qui partent dans les porte-à-porte là-bas. Peut-être, parce que je n'ai jamais vu avec moi. Hein? Je t'ai jamais vu avec moi. Tu as fait comment pour voyager pour aller au Gabon? Tu es reparti chez toi à Kribi. Quand il s'est connu à côté, tu as une épave, une vieille fille. Ta copine, c'est Mimi Volpon, avec qui vous avez traîné ensemble. Vous voyez Mimi Volpon à quel âge? La dame qui fait ça les soirées là. Là, tu es ma grande frère de plein loin. Tu ne dois même pas faire que tu fais des réseaux sociaux. Là, comment tu deviens vieille, moche, une pourriture comme toi? Tu vieillis avec la méchanceté. Parce que normalement, les femmes qui n'ont pas accouché sont toujours belles et jeunes. Regarde-toi. Facebook t'a détruit. Et tu parles de moi. Moi, je suis une grande aide assise. Toi et moi, on a le même chemin ensemble. Toi, il a fallu que tu ne pas voler. Tu ne pas casser la tuerie de la tontine. De ta maman. Tu as volé combien? Ou c'est 250 000 dedans? Tu as fui. Oui. D'où quand t'as appelé que ta main est morte, tu ne pouvais pas l'aider. C'est comme ça. Tu sais comment ta chaîne de main est morte. Comme elle menaçait tout le monde. Elle est venue trouver. Ton père avait deux femmes. Il y avait une boule qui n'accouchait pas. Il y avait la première dame. Sa première. Elle a commencé à menacer. Elle tapait tout le monde. Même ton père. Même ton père. Est-ce que ton père et ta mère sont entrés dans le même côté? On a ramené le corps de ta mère dans le village de sa mère. Et ton père est enterré seul là-bas, dans son village. D'où tu n'arrives plus jamais à montrer les cercueils, les tombeaux de tes parents. Tu attends, non? Ta mère est morte comment? Ta mère ne dit qu'elle. On l'a vendue aux femmes là. On a vendu ta mère aux femmes là. On lui a menti que. Parce qu'elle menace. Même la tontine est venue trouver que tout le monde faisait ta tontine. Les bambins font la tontine, tout le monde s'est grandi avec ça. Elle est arrivée, comme elle était costaud, imposante. Elle insultait comme sa fille. Elle buvait, elle pissait sur elle comme le beau. Comme on voit ici. Elle est arrivée, elle va commencer à menacer tout le monde la tontine. C'est elle qui était caissière qui gardait l'argent de la tontine. Et c'est elle qui était maintenant devenue la directrice de la tontine. La présidente de la tontine. Donc, ce qui fait que sa fille connaissait là où il y avait, là où on gardait l'argent de tontine. On dit qu'elle parlait fort. Elle voulait seulement taper tout le monde. Oui. C'est du qu'elle prend ma chère. Elle prend la veste. Elle va rentrer là-bas le soir. Parfois, elle abandonne même. Elle a tellement vu qu'elle aimait l'ambiance. Parce que c'était une femme de bar. Tu sais quelque chose? Je vois souvent comment tu es sur ma mère, que c'est ma mère, c'est une femme de bar. Oui. Parce que c'est toi, c'est ta putain de mère qui était une femme de bar. Tu sais, moi je ne l'ai pas connue. Hein? Eh oui. On dirait qu'elle est partie au marché Mokolo. Yeah. Mario, nanani. Elle dansait seule au bar. C'est comme ça que tout le monde la couchait. Avec les sacs de nourriture, qu'elle va rentrer le soir, c'est le petit gars-là qui la prend encore pour la mettre encore dans le noir, pour la mener encore à la maison avec les sacs de nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous étiez jeune.
Et tu veux faire quoi? Ta mère, c'est un exemple. Ta mère, c'était une prostituée. Elle t'a maudit. C'est toi qui as tué ta mère. Pourquoi? Parce que quand tu es venu prendre les 250 000 que tu as volé, parce qu'on t'a dit que non, hein, tu peux pas le non. Arrivé au Gabon là-bas, ça va marcher vite. Parce que là-bas, les blancs payent vite. Parce qu'à l'époque, il y avait les militaires français remplis là-bas au Gabon. Tu vas dire, ah, je prends. Après, je vais lui envoyer l'argent. Mais ça ne s'est pas passé sur place comme ça. Tu vois que quand ta mère, tu voles l'argent à ta mère, l'argent des gens qui appartient aux gens, tu vois, tu vas quoi qui va te suivre. Que la poisse. Tu es où aujourd'hui? Hein? Tu sais comment tu es ta putain de mère? Et là, nous aussi, là, tu sais, il y a un moment. On l'a marché que, hein, tu sais, le bambiné, quand il y a toujours dès à l'ouest, mettez le cœur, s'il vous plaît. Quand il y a toujours dès à l'ouest, vous voyez, non, ils prennent toujours le car, ensemble, pour partir payer leur deuil. Et ce n'est pas que d'autres voyages, d'autres voyages. Ils prennent toujours le car, pour payer leur deuil. On a mis ta mère dans le car. Même son mari était dedans, hein. Même sa première, on était dedans, hein. On savait que, on va. Elle n'est même pas sortie. Hein? Elle n'est même pas sortie de Kribi. Elle est morte. Ta maman n'a jamais été malade. Ni quoi que ce soit. On a dit qu'il y a quelqu'un qui est mort à Bamaté. Elle discute même de t'asseoir devant. Devant. Même devant, on a dit que dès que tu as reçu la voiture. C'est pour ça que ta maman est morte. Pourquoi, viens nous expliquer pourquoi ta mère n'est pas enterrée à côté de commissaire Pisseur, ton père, ton voleur de père. Quand on parle de parcours des femmes, moi j'ai un parcours admirable. Moi j'ai fait un avis. Lolo, je me suis marié. J'ai eu mes enfants métis. C'est que tu es ici aujourd'hui. Les rêves de ça. Tu vis avec ton ex, Pam Fondja. Des tapeurs, ils te tapaient au lit. Parce que toi, il faut t'attacher. Parce que j'ai appris que parfois, il faut être brutal. Hein. Brutal au lit. Tu le quittes, mais tu veux faire l'enfant avec Kotam. Hey! Tu ne peux pas résoudre dans ta vie. Il n'est pas trop tard. J'ai vu une femme de 68 ans ici, là. Avec son mari, 72 ans. Les enfants sont nés, des jumeaux. Tu attends quoi? Avec tous les vols que tu fais, toute la position que tu as fait. Tu ne peux pas lui mettre les implants, les in vitro pour faire un enfant pour toi. Hein? Béton, c'est mon chic. Ne viens plus jamais ici. Je t'interdis de venir ici, tu attends. Je te dis, tu es un blogueur, je ne te bloque pas. Mais tu ne viens plus jamais. Tu ne commandes plus jamais chez moi. Tu m'entends? Tu n'es pas mon ami. Je t'interdis, tu ne viens plus jamais chez moi. Tu ne commandes plus chez moi. Si tu viens commenter, je te bloque à vie. D'accord, petit misérable bloqueur de bas-fond. Tu veux quoi coucher avec toi, moi? Je t'ai déjà mon jour. Vraiment, bâtard, bamiqué comme ça. Tu es une jeune fille grande. Continue à parler. Je vais mettre les aoussas derrière toi, tu vas voir. Les aoussas ont les longs yeux comme ça. Là. On va détruire ton délai qui est un peu, qui est un peu bien là. Tu as fait de baiser avec ton chien. Ne viens plus jamais. Et t'es interdit ma page. C'est ma page. Tu me vois pas chez toi. Lorsque tu me verras chez toi, là, ça va aller. Et quand moi, je ne pas dans certaines pages, je ne partirai plus dans cette page. Tu me dis que moi, la même joyeuse, je suis jalouse de tes vues. Je suis jalouse de ta motivation. Mais t'es, you crazy? You need crazy? Tu gagnes combien par mois? Tu as combien d'étoiles? Tu as combien de publicités? Tu as combien d'argent par mois? Petit bâtard. Donc, plus jamais. Ce n'est pas ton procès, c'est le procès de la pisseuse et le manioc. Donc, ne veux plus. Si tu es là, regarde derrière. Ou quand il finit mon direct, si tu vas m'insulter. Mais je ne veux plus de toi dans mon mur. Merci. On était où? Dans le lot pitiation, hein? Bon, l'argent de son père et l'argent de sa mère pour voyager. Voilà, quelques temps après. Sa mère meurt. Il faut que votre cœur passe sur les réseaux sociaux. Il y a des incohérences. Hein? Oh, ma mère est morte quand j'étais en Europe. Non, ma mère est morte quand j'étais au Gabon. Ma mère est morte quand j'étais à Malabo. Eh bien, dis donc, ta maman est morte combien de fois? L'histoire est très claire. Hein? Ta maman t'a maudit. Que tu ne feras jamais rien. Moi, je connais les. Moi, je connais. Non. Reste là-bas. Là, on parle des choses qui sont très sérieuses.
Tu veux parler, montre alors. C'est qui ici? C'est toi. Ben oui, c'est moi. C'est moi. Mais ne regarde pas ça. Parce que quand on parle des choses qui sont importantes, comme ça, on ne parle pas les enfants à côté. Ma mère, quelle mère? Ta mère t'a maudit, tu as tué ta mère. Les barbecues, tu savais qu'à notre époque, les Moncoyens et les familles étaient encore beaucoup. À l'époque, le Camerounais, les barbecues, on n'avait pas de barbecues parce qu'eux, ils tuaient beaucoup. Les Moncoyens, nous reviennent même maintenant. Avant, il y avait les Moncoyens. Donc sa mère qui était là, couille, elle discute de devant pour que c'est elle qui va s'asseoir devant. C'est comme ça qu'elle reste devant. Maman, on dit que la voiture ne veut pas arriver. C'est bon là. Tu vas au coin là. Tu me laisses faire mon direct. Arrête. Tu veux me dire quoi? Je vais montrer alors. Après, tu ne peux pas te plaire. C'est quoi? Maman, j'ai préféré là. Ouais. Voilà, regarde là-bas. Oh, il est 7 ans. Bon. En tout cas, sa maman, elle discutait ce qu'on était dans les cas, non? Il y a certaines femmes qui aiment s'asseoir devant. Parce que sa maman était exactement comme sa fille. Elle avait des problèmes avec tout le monde. Elle tapait ses co-épouses. Tout ça que la boule a dit que, pardon, je suis seulement ici. Elle dit que, vous savez que quand l'homme a trois femmes, chaque personne a sa nuit, non? Ou chaque personne a sa semaine. Donc, si c'est ma semaine ici, là, tu ne dois pas déranger. On dit que, dès qu'elle est arrivée, elle a tout changé. C'était elle. Et elle venait baiser. Comme elle est comme la chienne de sa fille, là. Parce que les crabes aux fesses, ça l'a gratté. Elle dit que, jusqu'à que, la première fois qu'elle est au mariage, là, parce que, il y avait déjà les enfants. Elle a eu ses trois enfants, quatre enfants, entre cinq enfants, avec le père qui s'est là. Le cœur, s'il vous plaît. La deuxième femme, la boulou, comme elle n'avait pas d'enfant, et que, donc c'est elle qui s'occupait maintenant de le manioc parce que sa maman, elle est par terre. Comme elle était pas au grand état. Elle passait son temps à pisser partout, à baisser partout. Mais waouh. Ouais, la femme a dit que moi, je n'ai pas d'enfant. Mon époux, je n'ai plus mes jours, je n'ai plus mes jours. Donc je suis venu de. Elle menaçait tout le monde là-bas. C'est hein. Pour le père et soeur. Sur la chambre d'une autre femme. Elle cassait la porte. Parce qu'elle était costaud. Elle est tuée comme ça. Comme un chien. Parce que le commissaire et soeur, ce n'était pas un monsieur. C'était un peu un vieux. Ce n'était pas un monsieur qui était garde de tête. C'était le même américain qui porte souvent les petits chapeaux un peu couchés comme ça sur la tête. Comme on pouvait les parler là. Un homme calme de là-bas. Un homme calme. Elle était quelqu'un qui dit qu'elle entre à la maison. C'est elle qui doit préparer, elle ne prépare pas. C'est les autres femmes là qui préparent. Elle s'assoit, elle mange comme un homme parce qu'elle était costaude. Après, elle tue, on dit qu'elle tuait. Le commissaire puis c'est comme ça là. Allez, au lit. Donc, ce qui fait que les deux autres femmes étaient à laisser. Elle ne pouvait plus faire l'amour. L'autre, les boules, elle a dit que donc, je suis devenu quoi? Une esclave dans cette maison. Moi, je fais tout. Moi, je ne me goûte plus le coco là-bas. Et c'est moi qui garde les enfants. Elle est partie. Dès qu'elle est partie, l'autre aussi, la première femme, comme ses enfants étaient là, ses enfants ont voyagé pour aller aux États-Unis. Boum! Voilà les enfants des États-Unis qui sont aussi venus prendre la première femme. Que, yes, on te laisse ça. Ta belle-mère dit toujours, non? La co-épouse de ta mère dit toujours. Elle n'est pas ici à la aux États-Unis avec ses enfants. Tu as tes soeurs ici, non? Tu te prends en considération. Regarde-moi une déchet humain comme ça. Ta mère est restée. Ta mère est restée seule. Du coup, tu avais à voler l'argent. Et tout, et tout. Après, on l'a tué. Quelque part après. Pas puissant aussi. N'a pas. Qui voulait encore de lui? Personne. Il est mort de crise cardiaque là-bas tout seul. C'est de Reven Binda, tu étais où? Jusqu'à dire que j'étais là quand ma mère, non, avec sa salle voix. J'étais là quand elle est morte. Et j'habitais un duplex. Quand on te voit, tu ressens quelqu'un qui habite dans un duplex. Rêve bien y. Regarde ta misérable page. Tu n'arrives même pas à atteindre même 10 000 abonnés pour monétiser ta page.
Hein? N'est-ce pas? T'as, je travaille à la banque. Tu travailles à la banque, et pourquoi tu vas porter l'argent à ta grande soeur? Pour aller border au Gabon. C'est ta grande soeur qui a tué sa mère. Parce que quand elle a voulu l'argent de la tortue là, les gens ont dit que non. C'est la dimension ici. La femme s'est donnée à tout. Et c'est avec l'accord de votre père. Les femmes là arrivées, on l'a tué dans la voiture. Elle n'a pas trop souffert. Parce que eh, ta mère travaille l'argent de la tortue qu'elle a voulu là. Le nom de ta mère, ton esprit, tu sais t'es. Parce que c'est pour ça que ta mère te dérange comme ça. Oui. Parce que tout le monde est au courant. On a tué ta mère. Pourquoi ta mère soi-disant l'a enterrée? Pourquoi ton père refuse qu'on puisse enterrer ta mère dans le village du père, de ton père soi-disant? Hein? Il faut nous dire ça. Hein? Il faut nous dire ça. On t'avait arrêté au Cameroun là. Ton père qui est commissaire, ton frère qui est commissaire ou quoi. Il pouvait interagir. Tu es une pourriture. Tu entends, non? Tu es une jalousie maladive. Hein? Regarde ta copine, hein? Regarde ta soeur que tu es sur le cœur. Elle est au Cameroun, hein? Elle fait ses chantiers. Moi, je ne t'ai pas. Elle est au Cameroun, elle fait ses chantiers. Toi, tu es ici. Faut me jaillir, chanter ici, machin. Oui, Yann. Mais lui, on joue, moi, c'est ce voyant, moi. Je ne sais pas si c'est déjà de bagarrer. Je vais bagarrer avec toi, Lolo. Regarde-moi cette chose. Si tu vas te tirer au sol, tu vas voir. C'est bien qui ça? Tu viens de aller dans les réseaux sociaux. Tu parles de ma vie, de mes enfants. Tu ne me connais même pas. Oui. Je t'ai rencontré dans les réseaux sociaux. Comment tu veux quand les gens partagent les vidéos des gens? C'est toi qui es venu de moi. Je t'ai toujours aidé. Tu as quoi? Tu ouvres la bouche des gens. Tu vas filmer là où on t'héberge pour l'instant. Tu as quoi? Depuis des années, je suis ici. Quand j'étais connu, tu vivais dans un squat. Oui. Quand le vieux bien est mort, vous êtes resté là-bas. Vous êtes en train de voler le courant. Et quand vous volez le courant, parce qu'il y a beaucoup de maisons ici à Saint-Ouen. Vous toutes là. Les navets ne peuvent pas avancer. Vous êtes en train de vivre dans la précarité ici totale. Vous avez vu avec vous. Les réseaux sociaux vont trop changer. On s'est trop mélangé. Tu peux t'asseoir là où je suis. Quoi, tu es parti au Gabon. Là où il y a les blancs. Tu n'as pas eu ta part là-bas. Là où il y avait alors les pétroliers. Là où les Josephine Bayon ont trouvé leur milliardaire. Hey! Tout le monde a trouvé sauf toi. Tu as voyagé, tu ne sais pas comment tu es passé. Tu es passé dans les réseaux de Madame Fonny. Parce que Madame Fonny avait un grand réseau. Là où tous les Américains voyagent. En Allemagne. Tu as atterri en Allemagne. Allemagne, Suisse. Tu as posé. Tu as attendu que moi j'ai posé un jour. Regarde-moi, tu es même. Bon, c'est Air France. Faut aller poster first class. J'ai voyagé en first class. J'ai vu les riches devant moi comme ça. Là. Et moi, quand j'ai atterri ici à Paris, hé, hey, roi, c'est Charles de Gaulle. Toi, tu as atterri par où? Ton parcours, tu étais douteux. Et tu vas mourir comme ça, douteux. Tu vas voir pourquoi? Donc tu vois que si vous voulez des cimetières, non, au moins, moi, de temps en temps, tous les 4 décembre, je m'en vais mettre les fleurs de la tombe de mon mari. Toi, tu n'as raté, même le mari, tu n'as pas. Avec tous les plans que tu as connus, tu es quitté ici, arrivé ici, aller à Monaco, rien. Aller à Cannes, rien. Et ni là, rien, nous. J'étais. Pour valoir, montre-nous rien. Les papiers que tu as sur le papier, on appelle ça punériel. Donc c'est ce papier que quand tu as fait longtemps dans le territoire, hein, on trouve comme ça, on te donne ça. Il faut seulement que tu prouves que tu as fait plus de 5 ans ici en France. Il y a une procédure en sorte que tu puisses avoir des papiers. Donc il faut travailler un peu. C'est pour ça qu'il y a un moment là, elle a commencé à dire qu'elle travaille. Maintenant tu es devenu technicien de surface. Tu vas laver, tu vas brosser tes dents au sol. T'es un technicien de surface. Tu es devenu femme de ménage. Par exemple, c'est 12 euros là. Viens travailler ici, viens nettoyer ici, les achicots ici là. Je te paye. Pauvre mère. Tu vois, tu peux me parler. Tu as entrepris quoi dans ta vie? Le jeune gros, ce n'est pas ton enfant. Tu es une mère de famille, toi. Une mère borde. Une mère qu'on attache. Tu crois que juste gros, elle sera contente d'entendre que voilà ma mère qu'on a attachée là-bas. Regarde comment même tes propres amis. Aïcha, t'as nié ici à Facebook. Elle t'a fait ça dire. Tu es parti encore chercher l'amitié. Alors, on demande l'or. Esclave.
expérience sexuelle des réseaux sociaux. C'est de Boston. A crié ici. Your love for just. Elle a passé toute une soirée ici. Cassé le couteau pour te tuer. Tu vois, on t'a poussé comme ça. Quand on t'a jeté de haut si on a vu. Une femme qui passe son temps à humilier sa famille. Toi, si tu peux parler à qui? Moi, quand je fais mes choses, les humiliations que moi j'ai, c'est pour moi. Hein. Ça ne dérange personne. Hein. T'as pas là. C'est le rap par Yélélé. Yélélé, ça veut que je t'appelle maintenant là. Toi, Yélélé, ça va. Tu ne vas même pas m'insulter. Tu m'as dit, ah, Calavé, c'est comment, non? Parce que je te connais. Le lendemain, tu as écrit que, ouais, la veuve, pardon, il me faut les pommes de terre. Je t'ai déjà demandé l'argent un jour. Les pommes de terre, j'ai donné. La robe que tu portais pour aller à Poutou, j'ai donné. Je t'ai porté de l'argent combien de fois? Toi, viens t'asseoir, tu m'as donné quoi? À part me dénigrer. Tu ne me peux pas, tu ne me vaux pas. Oui. J'ai eu mes deux bâtards chinois, là, que vous appelez là. Je les ai eu au Cameroun. Ça montre quand même que j'ai quand même connu que les blancs. Toi, alors, tu as connu les blancs dans ta vie. Tu es où avec eux? Hein? Une femme qui n'arrive même pas. Mais épouser mon vrai noir ici, il y a les vrais noirs ici qui ont du travail, hein? Qui pouvaient aussi t'épouser? Non. Tu vas prendre par rampe. Regarde les débois, les dire que la poisse de ça. Tu es venu faire quoi en Europe? Mais il fallait rester au Cameroun une fois. Je suis même sûr que tu es dans un pays africain, tu as même encore peut-être un peu, aller un peu mieux. Parce que là, tu vis dans la dépose totale. Tellement comment l'argent dans les réseaux sociaux pareil. Moi, voici, ici, il y a 10 000, hein, il y a 1000 personnes qui me regardent là. J'ai les étoiles là. Mais quand toi, tu seras en direct, on va te faire les étoiles parce que tu laves Bolingo. Mais l'argent n'a pas où. Vous voulez même quoi avec l'argent? Mais après, tu vas attendre que. Elle envoie des gens me prêter de l'argent. C'est après qu'ils me renseignent. Ils disent que c'est toi. Toi, je ne suis pas au courant. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as que ta bouche comme de vous là. Pimpitolo. Rate la poisse de sang. Ne couchez plus avec elle. C'est une femme qui porte poisse. Elle est partie aussi. Criant. Que elle pourra jouer aussi faire. Il a mis Wata. On lui a donné un mamie Wata sous là. Il faut voir quand elle a bu le vin. Regarde-moi quand je bois le vin. Si tu es élégante. Dès qu'elle boit le vin, elle commence à dandiner. Tu es une femme, toi. Et te demande est-ce que tu es une femme. Tu as raté ta vie. Le bon Dieu a dit que, allez-y, multipliez-vous. Toi, tu es venu multiplier quoi? Que la reine, les injures dans les réseaux sociaux, une raconte d'amitié. Tu racontes tout. Où est Douabala aujourd'hui? Tu es venu avec les rapports, les Ngoungoube, sa femme. Le Ngoungoube, c'est là que j'étais encore un jour. Là où t'as 5 campas, là où tu pars derrière. Tu pars tout derrière, marche arrêté avec un camp, tu as récupéré, marche arrêté avec du poste, tu as récupéré par Google. Tu que les restes de, tu es une reste de femme. Tu attends, je le suis toi et moi, s'habille. Je suis quelque part avec toi. Là-dessus, on va me prendre tout de suite. On va me prendre tout de suite. Toi, tu vas errer avec tes lolos, regarde-moi une femme comme cela. Va en Allemagne, non? Voilà ta soeur là-bas dans l'Allemagne qui vit avec un vieux qui attend chez le jour, qui met dehors tous les jours. Elle vit avec un vieux truc là-bas dans l'Allemagne. Chaque jour, on la met dehors. Elle part toujours comme une binda. Tu es marié à un gars, les enfants, tu ne veux pas. Tu pars coucher toujours au Cameroun. Tu rentres avec l'enfant. Chaque fois, il y a une surprise à l'hôpital. Quand les enfants naissent, ils sont toujours noirs. Et oui, et le blanc a dit que quoi? Ce sont mes enfants, ils récupèrent tout. On te met dehors. Tu aimes ta mère? Mais elle passe sa photo au mur, non? Sa photo est tuée dans un radiateur. Avec un petit frère tout le sol à côté. Je dis que vous deux là, vous êtes vraiment. En tout cas, je suis mère d'enfant. Mais je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans votre vie. On est jaloux de toi, nos prédiens, au Belgien. Regarde un déchet humain, un phénomène inexpliqué comme ça. Hein? Tu viens errer chez les écams. Parce que nous, on est heureux, on est gentils, on est ouverts. Tes propres sœurs américaines t'ont régné ici à Paris. On te regarde comme une peste. Les filles qui t'invitent partout, ce sont des qui? Ce sont des américains, non. Tu vas trouver que les boules, les doigts là, les autres ennemis. Regarde comment on met ta propre sœur à haut. Regarde. Bertini, faut inviter aussi Lolo, non. Invite Lolo, non. Est-ce que Lolo parle pour le pays de l'oncle Sam? Parce que je suis sûr que c'est là-bas, alors qu'on va te mettre en prison, frère. Quoi?
Quelqu'un va faire un petit tour au désert ici là, ça devient déjà des problèmes. Quand tu partais, toi-même, tu as commencé les problèmes aux gens, non? Tu lances les mots aux gens, on te répond pas. Et c'est un gros méchant, cette chose de Balineza. Une chose de Monaco, dit que Natacha de Monaco, tu sais quelque chose, hein? Mets-toi ce qui te regarde, hein? Je te redis. Mets-toi ce qui te regarde. Quand on avait parlé, tu étais toi, tout le monde a parlé, non? C'est fini. Comment tu peux oser venir dire des choses sur ce qu'on est jaloux de l'eau? Mais attends, tu as besoin de vue, hein? Quand tu parles, il faut souvent parler. Natacha de Monaco. Parle de toi et Lolo. Parce que je pense que tu as oublié un épisode. Quand l'homme est terminé, si tu n'as jamais répondu un jour. Tu entends, non? Tu as petit truc qui est jalouse. Jalouse de quoi? Et voilà qu'il souffre, non? Si je l'aimais beaucoup, pourquoi tu n'as pas envoyé 300 euros là? Parce que c'est à cause de 300 euros, c'est quand tout le monde est à mourir sur Facebook. Des injures de ça. Et parce que tu peux insulter mes enfants. Va coucher ton enfant, non? Tu vas mourir lent, lent comme tu es né. Voilà l'âme de ta mère qui erre. Oui. Qu'on ne voulait pas préparer, elle ne voulait pas vous nourrir. Chez vous là-bas. Oh, maintenant, dans ta main, est où? C'est elle qui prépare la nourriture d'une femme là. Matin, midi et soir. Parce qu'elle avait volé l'argent. Tu as volé l'argent de la tontine. D'où là où tu es là. Tu es perturbé. Ta mère. Même si ta mère est morte, il n'est pas que tu fais tout pour aller au Cameroun. Hein? La bouche sort comme vous vous êtes là. La bouche comme vous vous êtes là. Je parle du match par rapport à quoi? Ça me sert à quoi le match? Je blanc a gagné pour la ligne. Je suis Madame Curie. Dis donc. Ah! Maman, à cause de 300 euros, ma chanteuse aussi. Quand tu promets, il faut donner. Hein? Quelqu'un voyage pour aller dans le désert là-bas. Elle n'a même pas 5 francs. Mais comment tu as pu voyager sans 5 francs? Tu ne comprends pas ça, hein? Donc, quand le duty free passait là, tu n'as même pas pu payer mon petit parfum à ton gars là-bas. Hey! Hein, tiens, non. Je vais joyeuse. Je suis Madame Fury. C'est comme ça. Parce que je ne comprends plus rien. C'est quoi? Donc toi tu vois même sans les espèces. Hey, et l'argent laissé ça que tu as voulu à part pour toi. Tu as fait quoi avec? Il faut me la voir avec les petits gars qui la baissent ici. Hein. Tu sais, je t'avais bien remarqué quand on te fait presque pas. Hein. Tu vois les petits gars qui te baissent. Hein. Tu vois que moi ça gâte là. Regarde le champagne. Regarde le pangoungou. Même comme pangoungou, mais là, comme il est là. Mais j'ai quand même goûté pangoungou. Je connais comment il est. Toi, tu es là-bas, que tu attends quelqu'un à coucher avec quelqu'un. Quand tu apprends que la vengeance a fini avec Otam, tu vas récupérer Otam. Ah! Ma récupérer maman. Aïe! Non, ne t'as pas. Tu sais, tu ne vaux même pas la peine que je m'attende sur toi. Fais tchak encore sur moi. On va faire tchak. Je vais te faire tchak ici. Regarde mon déchet. Tu viens d'arriver dans le voyage. Tu as commencé à l'aéroport. Les premiers matins, midi et soir. Hey, chante là ici. Chante là ici, toi aussi. Vous pouvez même parler avec qui? Moi, je suis là, ta soeur. Chante là ici. Je suis là. Je peux te trahir un jour. Non. Vous avez une notoriété. Vous aimez ça? Voilà alors ça aujourd'hui. Voilà ça. Une femme te menace, fait tac. Il faut aussi faire tchak, non? On quittait sur ça. Et là, peut-être ce qu'elle a gagné. Qu'elle a des choses sur toi. Toi, tu peux avoir quoi sur toi de l'eau. À cause de 300 euros, tous les écarts sont dans la même sauce.
À cause de toi, ça, avant de faire casser à moi à Facebook. Elle vient aussi de promettre l'argent aux gens. Quand vous promettez, il faut donner. La promesse, c'est une dette. Hein? Nathan, je me demande, quand tu dis que tes sœurs et quand sont jaloux d'une force babylonienne sur la terre, de la dernière heure, de la basse terre, de la basse cour, tu dis que tes sœurs et quand sont jaloux d'elle, et que tu la soutiennes avec tes grosses seins qui n'ont pas de sens là, pour soutenir de grands étages à la basse cour, de la basse place, tu dis que toi, si. Quand tu dis que Lolo nous dépasse, avec quoi? De la production, la prostitution, elle a fait quoi? Moi, je n'ai pas fait. Toi, on ne sait pas ce que tu as fait ou pas. Parce qu'il y a trop de mensonges qui ne sont pas incohérents dans Natacha de Monaco. Parce que tu es une grosse menteuse, une grosse mytho. Et en plus de ça, tu es avare. Tu ne peux pas donner 5 francs à quelqu'un. Tu as oublié ce qu'il y a de l'offre, tu as lavé ici. Tu veux jamais te voir ça là où l'offre, tu te déchires. Tes enfants sont passés ici. Tu as répondu. Tu es en train de chercher l'amitié derrière. Reste avec eux. Tu n'es plus égant. T'as mon canne, hein. On connaît un cribi. Tu n'es pas une fille de cribi, tu es une fille d'accompagné, hein. Tu dis que tu es quoi, Métis? Tu es Métis que ton père n'est plus nordiste. Que ton père était français, hein. Ah bon? Tu es entré ici. Gaël mon doigt. Donc tu, ton père s'appelle mon doigt. Donc tu es entré ici. Tu es dans une grande famille française. Arrête de manquer, tu manques trop. Tu vois que ton papa était à Oussa du Nord. Et que c'est ta mère qui t'a dit que tu n'avais pas connu ton père. Arrête ça. Tu es dans juste comme moi. Mais moi, au moins, je connais mon père. Arrête de. Tu aimes trop les titres. Viens, viens. Je viens sur Facebook. On est fatigué avec vos mensonges à Facebook. Les milliardaires qui se prostituent, je ne comprends pas. Les milliardaires qui commencent les temps à Facebook, je ne comprends pas. C'est même quoi? Tu as choisi ton camp de tout ciel. Attends, chère de Monaco, toi et moi, c'est côté tiré. Comme tu dis, souvent que tu t'es pas mis les pieds les mains là. Tu vois que tu as pris le tout ciel. Mais on a vu le résultat de la dernière fois. Hein. Et tu crois que moi, une femme peut prendre mon sac? Tu es né où? Tu vois que moi, elle peut être assise comme ça, on prend mon somme, on me filme en même temps. Moi, si. Moi, vous continuez avec. Et tu parles fort. Tu peux me faire pour qui? Tu vas entrer dans l'eau. Va entrer dans l'eau, tu vas rester dans l'eau là-bas. Hmm? C'est les vrais qui ont l'eau là. Ce n'est pas les mintobos comme vous, les mintobos comme vous. On a un mintobos qui dit. On a un nom d'adjoint. 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 Mon père. Tu lui donnes. Tu aimes trop les titres. Hein? Et t'es blanc. Et tu ressembles à un blanc là. Tu ressembles à un foufridé. Ton père était à Oussa, les Aoussa là, qui vend les sangas partout là, les tapeurs de beurre là. Tu parles. Mais fais-toi, hein. Parle de toi. Ne mêle pas les candidats. Tu me vois être jalouse de Lolo. Lolo peut porter un Louboutin un jour, elle peut porter un Versace Chanel, elle peut porter quoi? Question. Là où je m'habille, là où je m'assois pour manger, Lolo peut s'asseoir là-dedans. Arrêtons un peu. Même les vieux blancs de la campagne la dépassent. Quand elle m'a fait le coup ici là, avec pas DJ, tu m'as défendu, j'étais là. Ah, la bagarre de ça, les coups de poing de ça. À cause de pas DJ, à cause de toi. Un coup que toi-même tu as fait, parce que tu as vu que pas DJ a fait ceci. Même un vieux blanc te dépasse. Hein? Même un clochette te dépasse. Regarde ce que tu es. Tu crois que moi. Vous connaissez le gars qu'on appelle Dex Champagne. Hein? Je l'aimais beaucoup. Hein? Aïe. Demandez-moi comment Joël Bonne entre dans l'histoire qu'elle commence à citer Joël Bonne. Comment Joël Bonne a. Elle voulait. Où elle est souvent parce que le gars observe beaucoup de femmes. Ah. Maman. Moi, j'ai prouvé avec Dex Champagne qu'il a mis les photos du doigt. Joël Bonne entre dans l'histoire. Joël Bonne commence à m'insulter. J'ai fini avec Diva Makala. Vous êtes tous les gens là que. Que tu viens trouver quelqu'un dans son histoire, tu entres. Nathacha de Monaco ici à Facebook, tu es dans tous les dossiers. Propriété de tous les dossiers. Tu restes comme ça, tu veux seulement entendre ton nom quelque part. Arrête ça. Personne ne t'en dit. Personne ne t'en dit. Je peux te parler de quelque chose là. Oui. Albertine, quand même que je n'avais parlé avec, elle m'a donné de l'argent ici, là, pour l'accuser ici. Oui, vas-y. Albertine, quand je n'ai jamais parlé avec elle, je vais mettre sa photo dans ma page ici.
C'est ma mère là-bas, c'est ma milliardaire là-bas. Elle ne me connaît même pas. Hein. Toi, je t'ai connu. Et tu étais dans ton mariage de sale, le mariage de pourri. N'est-ce pas que tu es mort, reviens. Hein. Donc, on dit les nanya. Yo, comment m'a moué. Tu entends? Quand tu parles de choses, parle de toi. Ne dis pas que les filles là sont jalouses de toi. Le nom de ça. Le nom, c'est un déchet public. Un dépositoire de sperme. Un matelas public. Hein? Toi, Natacha de Monaco, de mes fesses, mon doigt à Gaïane, c'est toi qui oses venir dire que moi, une jeune fille est calme, je suis jalouse d'elle. J'ai aidé cette fille ici, avec mes pauvres, mes petites moyennes. J'ai aidé ce dépositoire de ce matelas public certifié qu'on appelle Lolo Pipi ici. Tu es qui, Lolo? Tu as la bouche plus que qui? Hein? Attends, on a fait la photo, je vais montrer la photo. Hein? Elle attendait autant. Ah, on a tout vu. Maman, mettez mes photos nues à Facebook. Je suis belle. I am the belle. Je suis de moi. C'est bon? Ok. C'est que quand tu vas à fond, tu me dis, hein? Je viens même sortir pour un verre ce soir. L'enfant, il peut faire comment? Ça, c'est pour moi? Non, donne-moi. Ça, c'est pour Dex. Donne-moi. C'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Donne-moi, je regarde. Attends, il y en a deux, non? Je vais voir si c'est ça, c'est pour toi. Mais tu n'utilises pas ça là. Hein? On ne travaille pas aujourd'hui. D'accord? Nettoyer quoi? Attends. Je regarde. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est là. Le bleu, c'est le même. Oui, mais il y a un problème. C'est que. Attends, tu viens me déranger, c'est dans mes courriers ici. Ah, c'est bon. Ça, c'est pour toi. Je peux nettoyer. Va nettoyer là. Nettoie bien le côté-ci, là-bas. Ok. Oui. Donne-moi ton plat de nourriture, là. Viens poser ton plat ici, parce qu'après, tu vas manger ça. Je fais ça, tu manges. Pose ça ici, pose ça là. Comme tu le disais, non, Natacha, pardon. Tu le nom t'a nettoyé ici. Jusqu'à dire que elle va appeler la police pour tes enfants mineurs. Que tu es une prostituée. Elle t'a menacé si tu n'as pas répondu. Mais quand ça donne 1 million d'or, tu sors la bouche, tu tranches, tu ne fais peur. En tout cas, moi, tu ne fais pas peur. Tu ne fais peur à personne. Hein? Les gens qui cherchent les reconnaissances dans les réseaux sociaux. Tu sais que tu crois que tout le monde que Dukamé va venir te défendre. Donc tu peux insister par que Dukamé c'est ta personne. Hein? Tu ne dois même pas 5 euros à Dukamé et Dukamé va passer son temps à te défendre. Hein? Une marimie. Donc, tu as aussi pris bande perdue, comme on dit souvent. Donc arrête. Et mets-toi des problèmes qui te regardent. Quand tes problèmes de 1000, ben 3000 euros sont, le niveau tu peux faire un tir avec ta copine, maman. On le partage à deux. Toi tu pars du 7000 euros seul et tu donnes 6000 euros, est-ce que c'est normal ça? C'est équitable ça? Il dit que non, tu dois payer les impôts. Tu es uniquement marine, c'est tout. Tu sais, vous faites à qui faire ça? Maman, tu as le bloc, en plus c'est toi qui viens parler dans les réseaux sociaux. Vous êtes toujours comme ça. C'est pas le problème. Les gens qui aiment marcher avec les gens. Quand vous étiez associé là pour tuer Catherine dans ici, toi et Solange de Paris, vous étiez associé. Hein? Quand j'étais à Cannes là-bas, est-ce que tu parlais avec Solange de Paris? Tu parlais avec Solange de Paris? Quand vous êtes associé pour tuer Catherine Dan. La honte de ça. Catherine Dan,
Quand tu étais dans le direct, c'était à Dieu, non? On t'a dit que dans le direct, tu étais là-bas, non? Tu regardais. Ça va? Non, elle a été arrêtée, c'était moi, elle te donnait d'abord un coup de pont, disant, non, pim, j'arrête ton sac, je pars avec. Hein? Bon, voici, je ne voulais pas faire de problème, j'ai arraché mon sac. Tu as arraché le sac, hein? On l'a supplié. Une petite boule, on t'a dit que les boules sont mon acquis. Moi, avec ma coute, t'es ici, hein? Mouf! Tu ne dis que, hein? Même si tu tapes avec les mains et les pieds là, maman, je vais attraper un pied. Tu vas te retrouver au dos sur le haut, tu ne comprends pas, tu ne connais pas bien. C'est pour ça que j'ai même quoi ici à faire. L'autre est déchiré ici. Tu sais, tu aimes là où il y a le mensonge. Oui. Parce que comme l'homme Fodja n'a même pas 5 francs. Mais aide-la, non? Aide l'homme Fodja, on voit de toi chez Monaco. Aide-la. Aide-la, là, on voit. Toujours là, en train de parler des gens. Tu parles là, tu parles là. Mais parle de ta vie de milliardaire. Comme tu es marié à un docteur. Hein, un dentier, oui. Le docteur de soi, le mariage du docteur, là, j'ai vu. Je regarde ça. Parle de toi. Même pas le problème des écrans. Là, voilà, je suis ici, non? Aujourd'hui. Ça a connu d'être une femme bamique frélatée. Une mamie attachée de corde se permet de perdre ce camp. Et toi, une écart, tu la supportes. Les déchets se marchent. Les déchets marchent ensemble. Les déchets marchent ensemble. Hein? Mais depuis qu'elle est là, mais amène-la à Monaco parce qu'elle en a besoin. Hein? Parce qu'il faut l'argent maintenant pour payer le loyer. Hein? Il faut les présenter sur le notaire. Le notaire est devenu célibataire, il est super avec le notaire. Le notaire aussi. Aide-moi de tes sexes. Hein. Tu vois que moi, je peux faire que je marche avec je, que je, les filles qui ont l'argent. On me donne pas. Tu manges, tu peux donner. Tu as dit, tu veux parler de toi, monter ta maison, monter ceci. On dirait une villageoise arriviste qui n'a jamais rien eu dans sa vie. Pour la première fois qu'elle a quelque chose de beau, il faut qu'elle présente ça comme un jouet. Alors qu'il y a un autre coup. Il y a une autre façade là-bas aussi. Que j'ai vu une autre façade que je n'ai pas dit ici. Hein. Voilà mon problème avec toi. Arrête! D'abord. Et si Lola? Et si ça? Et si l'autre côté là-bas aussi? Le gars là, il a s'arrêté là. Ah oui. D'accord. Les meilleurs candidats, c'est qui? Victoire Vasquez. Est-ce que c'est un garçon? Moi, je ne parle pas des transgenres. Hein? Victor Vasquez, c'est qui? Hein? Si Victor Vasquez se retrouve avec Lolo, c'est parce que les écrans, elle a dit avec tous les gars, quand les écrans l'ont refusé, quand on a vu qu'elle était un homme, c'est tout. J'ai dit que le nom n'occupait que la racaille. Victor Vasquez, c'est ça? Une racaille? Hein? Si un homme, le pouls du zoo qu'on appelle du camion a fini avec lui, imaginez, un homme qui finit avec un homme. Donc l'homme va avec toi, tu t'en seras la bus. Ok. On voit que c'est tous les hommes qui parlent là-bas derrière. Incapable. Elle a fini avec du camel. Bah, le nom, c'est une bande de racailles. Victor Abasca, comme tu es la meilleure des écrans de la toile. Mais comment c'est fait que tu n'aides pas le nom? Je t'ai dit que j'ai accordé 100 euros. Hein. T'es 100 euros que tu connais, tu vas envoyer à Western Union là. Va récupérer ça. Tu aides la team de la. J'ai dit que là, c'est un homme, oui, c'est un homme. Oui, c'est moi, oui. Il m'a dit, c'est un homme. C'est toi, parce que c'est un homme. C'est moi qui te dis. Dis-le, on dit. Dis-le, on dit. Mais c'est un homme. Mais il a vos présents. Il a vos présents, tout sinon. Le truc qui est souvent issu de corps, c'est quoi? Tu as vu une femme sale comme ça. Hein? La seule perruque qu'elle avait depuis des années là. Maman, elle bossait. Wash, 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 maman. On a déjà vu des choses ici à Facebook. Aïe. Non. Non. Facebook, ce n'est pas bon. Victoria Vasquez, quand je l'ai connue, comme tu l'as connue, elle avait une belle perruque blonde qui était longue. La perruque l'a souffert. Elle a bossé, 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 bossé. Elle dit que jusqu'à que les cheveux, ses propres cheveux noirs là, ont grandi.
La perruque était là comme ça. C'est seulement quelques petites lignes. Et c'est elle qui s'assoit pour essayer de m'appliquer à Facebook. Facebook, on a tout vu ici. Tous les gens qui sont chez nous sont des déchets. Vous êtes des déchets. Vous ne valez rien. Hein? Vous êtes des déchets. Aidez-la alors. Voilà ma chambre qui a créé la crise mondiale avec 300 euros. 300 euros. Voilà, le carbone il a mouru à cause de 300 euros. Parce qu'elle dit que si tu fais pas, je fais tchak. Tant que je fais tchak. Ouais, ma chambre, a mis chaud quand même. Hein. Aïe! Non, la visière. Donne-moi ça. Eh bien, ça suffit. Et là, comment tu fais? Hein? Comment? Depuis le matin, tu n'as pas dormi. Et donne, non? Ah! Qu'est-ce que tu fais partout? Tu gaspilles de l'eau partout. Regarde, il y en a partout. Partout. Hein? Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Hein? Après, tu vas tomber malade encore. Ouais. Je vais monter mon placard bientôt, vous allez voir. C'est quoi? J'étais chez mon accro et partout comme la mousse tchéché. Dès que j'étais chez mon accro, attends qu'il y ait un problème. Elle entre dedans. Que je vais être jaloux de l'eau par la porte. Abelje. Abelje. Vous êtes marié au docteur, mais vous faites la possession matin, midi et soir. Pour construire des soins, des immeubles. Vous n'avez encore rien vu. En tout cas. Lolo, j'ai dit que hein, toi et moi, on va faire ça ici dehors. Tu fais tchak, je fais tchak. Avec ton pasteur à Sico. Le bâtard là. Sans compter dingue de requin. Qui parle. Sans compter les hippopotames qui parlent. Qui font l'hypocrisie à faire. Qui parlent doucement, doucement. Un genre, pour se moquer des gens. Que quoi? Lolo, toi et moi, on va animer la toile. Je n'ai même pas peur de toi. Dans Yota. Elle commence à me créer les réseaux sociaux. C'est elle m'a chanté aussi. À cause de 300 euros. Que tu... Je crois qu'elle m'a promis qu'elle m'a donné 300 euros. Je crois que j'allais avoir ça. Tu n'as même pas honte de parler sur Facebook. J'allais avoir ça pour faire des courses. Quoi? Donc c'est l'argent là de marchand. Que tu devais faire les courses pour rentrer avec elle. Le rembourse de ça. Elle dit qu'elle a commencé où? Dès que la télé est à Voici, elle a commencé à insulter. La veille, même elle est partie prendre, le même jour qu'elle est partie prendre les kebabs pour manger dans l'avion là, elle a commencé. Les achicots ont fait ceci, les achicots ont fait cela. Donne-moi ça. Arrête, regarde comment tu fais. Monte là-bas. Monte-y. Tu ne sais pas pourquoi, regarde ce que tu fais. C'est bien ça. Hein? Arrête, ça. C'est quoi ça? Regarde ce que tu fais. Quand tu es ici, on est calme. Quand tu me vois que tu as le direct, tu commences à répondre les problèmes. Oh. Non, regarde. T'as quoi tu fais travailler? Regarde ce que tu as fait. J'ai des traits ici de tous les écrans. Qui sur cette bannière qui frelatait de nos pipi à la noix là sont des femmes sans goût, sans cube magie. Vous n'avez rien dans vos vies. Mais soyez comme ici, après ce qu'ils sont morts, il faut suivre des exemples. Je n'ai que d'exemples. Excusez-moi. Vous suivez cette fille-là, vous donne quoi? Moi, parfois, si vous faites rire, nous ne faisons rire qui?
Elle montre sa force là. L'autre montre la force là. À Facebook. Maman, regarde celle-ci. Je maudis le jour que je t'ai connu. Tiens, là, fais quoi? Oh, j'ai le terrain, gros. Nous avons là-bas le terrain. Où le terrain, là? Maman, elle a fait le terrain, elle est mourir ici, à Facebook. Nous avons là-bas le terrain. Où est le terrain, là, nous avons là-bas aujourd'hui? Hein? C'est même quoi, les écarquilles dessus, même là? Vous, je vous jure même quoi, derrière cette femme, c'est qu'elle a les fesses de, remplies de puces et de crabes. C'est fait sans de mauvais. Une femme qui se fait, qui cache sans te laver, même la bosse, elle n'a pas. Elle passe son temps à manger le caronais. Hein? Avec le plus que ça dans ses fesses là. Lolo. Il veut porter des pampers. Il y a des pampers pour les caleçons là qu'on gêne là. Regarde-moi celle-ci. Hein? Pour faire quoi? Mais va chercher. Viens d'abord ici, je veux t'apprendre comment on se comporte. Mais fie-toi, hein. Tu attends. Là, tu veux m'emmerder, là. Tu m'entends, là. Tu me respectes, d'accord? J'attends ta mère ici tout à l'heure. Je veux lui dire quelque chose. Parce que s'il faut qu'on cohabite ici ensemble, je ne peux pas te faire le comportement. Tu as tout. Tout ce que tu veux. Mais dès que tu vois que je suis déjà en train de faire des duels, tu commences à te déranger. Je n'aime pas ça. Je ne vais pas payer les pampers. C'est les pampers, non. Les slips jetables là. Ça serait bien pour toi. Hey! Une fille qui commence à boire le matin, comme vous la voyez là. Vous dites que je suis alcoolique. Hey! Maman, Sarah. Elle commence à boire le matin. Donc elle brosse sa dent avec le whisky. Parce que quand vous la voyez là, elle parle. Ouais, elle a mis un petit pécule d'héroïne quelque part. L'héroïne. Quand vous la voyez là, elle boit alors vers le whisky. Elle vient là s'asseoir à Facebook. Oh, waouh, 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 waouh. Il n'y a que ça que tu as. Tu n'as pas fait ça. Tout le monde peut parler comme toi. Hein? Tu ne vaux rien. Je dis à toutes les communautés. La communauté est cancan. Hein? Tous les cancans qui portent là-bas sont des déchets. Devant moi. Des déchets. Regarde la honte qu'elle nous fait. Et les victoires parce qu'elles sont là. En train de la soutenir. Une Natacha de Monaco, de prostituée de Monaco, sans que vous m'ajoutez à te soutiennent. Regardez alors les gens que vous partez suivre. À cause de 300 euros. À cause de 300 euros. Tout l'argent qu'on vous entend de nous, tu as fait quoi avec? L'argent que tu as volé des gélules, tu as fait quoi avec cet argent-là? On te n'y a qu'on vous a à Facebook. Natacha, pardon. Là où je l'ai prouvé avec une personne, tu n'entres pas. Je t'en supplie, Natacha de Monaco. J'ai dit que je ne veux plus entendre parler de toi dans mes choses. Quand j'ai appris l'histoire de l'élément, je t'ai appelé. L'histoire de 23 000 euros. Personne ne sait que j'étais. On a parlé de ça. J'ai appelé aussi l'autre aussi. Si c'est dit là-bas, je suis resté tranquille. Non, j'ai même pas pensé à Facebook. Mais pourquoi chaque fois que tu entends que quelqu'un m'insulte quelque part, on m'insulte quelque part, tu ne me défends jamais. Voilà, Oshiga m'a descendu ici à Facebook à cause de toi. Parce que Nivaki t'avait lavé. Et j'ai pris ton côté. J'ai me lavé aussi Nivaki. Nivaki ne s'est pas fait comme elle a fait. Moi, j'ai défendu ici à Facebook. Mais toi, tu m'as jamais défendu. Oui. Dès que tu entends que quelque chose est lié à la femme joyeuse, tu veux aussi que ton nom soit dedans. Alors, je t'en supplie. Quand tu entends, moi, je ne mets pas. Moi, je ne mets pas. Mon amour à vous. Mon amour à vous. Moi, je n'ai pas de personne. Hein. Je veux te dire d'abord. C'est quoi? Tu veux pomper les gens ici. Avant, j'ai fait que les notaires ont fait que tout ça dans le mensonge et tout ça. Tu me lâches. Quand je suis en conflit avec une personne, n'entre pas dedans. Depuis un certain temps, tu as entendu que je parle de toi. Il y a un moment quand je parle de toi ici là. Quand les gens ont testé dans ma page, j'ai dit que non. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Quand je laisse les femmes écarnatoires, quelles femmes écarnatoires? Tu vois les canons sur la toile. Hein? Allez, moi, tu là-bas. Avec son nom, le nom des cancers là. T'es mouf. Va lécher les sales fesses de l'eau pipi. Sales chez les camps.
Et quand bordel, tous les camps qui sont là sont des déchets. Vous êtes des déchets. Nous n'avons pas détruit sa soeur. Bamileke, non. Ce qu'elle fait avec Fleur de Lis là, c'est un jeu. C'est plus cher que vous ne connaissez pas. Mais vous, les déchets dans les camps, les déchets et camps là, vous partez vous asseoir là où un déchet fait la tête Bamileke, au fait qu'il coule l'eau sale. Hein? Vous allez la supporter parce qu'elle est suite. Je vous pisse l'arrêt. Mais avec ce n'est qu'un droit de comme Amala. Amala n'est ni Amala. Parce que vous êtes jalouse. Vous êtes comme elle. Vous n'êtes pas ambitieuse. Vous n'avez jamais rien fait dans la vie. Mais regardez-vous. Dis-toi, Vasquez. Je prends l'exemple. Tu es parti au Cameroun depuis quand? Hein? On t'a jamais vu là-bas. La plupart d'entre vous, les bandes de chiennes, les sans-papiers, les prostituées sans goût. On vous a mis, on vous a mis dans les avions comme des bétails. Vous les tiez quand qui m'insultez là. Vous êtes venus par les filiales de vos parents, de vos cousins, de vos cousines. Vous avez voyagé avec les passeports, les gens de vos familles. Vous n'avez pas honte. Je suis au courant de vos mariages. Les frères épousent la soeur épouse le cousin. Tous les gens vous finissez au lit. Oui. Quand le contrôle vient, le contrôle des policiers, quand le contrôle vient, regardez si vous êtes ensemble. Il n'y a qu'un seul lit. Il n'y a même pas le canapé. Vous dormez où? Votre trafic là que vous faites ici, les écarts là. Regardez une bande de sessieux comme ça. Vous parlez à qui? Les écarts sont de qui? Voilà alors. Une salle de chute de bambou qui peut m'insulter. Tu ne parles pas. Tu n'as pas dans mon direct, d'accord? Tu m'attends chez toi. Attends que je finisse mon direct. Parce que tu me manques trop de respect. Attends que je finisse mon direct. Et tu partais ton direct. On dédame ce que tu as dit sur moi. Je dis seulement que quand tu entends parler de mon attache de Monaco, nouvelle, oublie la veuve joyeuse. Tu viens ici souvent à Paris, beaucoup de fois. Tu ne m'as jamais vu à Paris. Tu t'es venu, tu me fais la recette une fois. Le pas tu étais à Paris il y a quelques jours là. Tu m'as vu. Donc, tu ne veux plus que tu oses dire que je suis jardin de l'eau. Si toi tu as tué ta famille et quand hein? La famille Bamileke reste avec eux. Mais c'est que tu es déchet. Tu veux partir des déchets sur les camps. On doit être soudés. Elles sont soudées. Hein? Comme vous voyez là. On est tous Camerounais, mais il faut savoir sa priorité ici à Facebook. Regarde-moi ces déchets sur les camps là. La basse là, la basse cour. Allez-y. J'ai que tous les femmes de camp qui disent que j'aime Lolo. Vous êtes des déchets à mes yeux. Vous ne représentez rien. Voilà une femme qui dit à l'autre que hein, si tu fais chaque essaye, vous êtes content, n'est-ce pas? Mais vous ne comprenez pas. Cette pipi mania dit souvent dans cette direct que hein, si on met une camp et on met un bambouéqué sans hésitation, elle prend son prêt bambouéqué. Elle le dit chaque jour dans votre direct. Et vous êtes là, mais attends, vous faites la fine oreille. Vous ne comprenez pas. Elle a déjà dit plusieurs fois que les Barbie Power. Ah oui. Et vous êtes là-bas. Vous êtes bien. En tout cas, une comme moi. D'un chapeau fini avec toi. Pardon. Ne me traite plus de jalouse. Je vais jalouser cette pipi manioc là. Cette lo manioc. Cette fesse l'homme qui pue à distance là. Cette poisseuse là. Qu'est-ce que je vais foutre à Lolo? Elle a quoi? Une femme comme moi, j'ai nourri. Nourri. Je suis femme très généreuse. Hein, tu sais, Natacha. Très généreuse. Même en amitié. Mais c'est toujours vous qui partez. Ça devient que, hein, tu t'es fait quoi? Tu passes ton temps à parler de moi. Tu parles même quand Natacha, quand tout le monde a des problèmes. Que j'avais le temps de parler de toi à qui? Tu attends que je fasse contre de toi chez qui? Regarde-moi un petit rat. Mouboko aussi. Un raton là-bas, des ratons qui vient oser parler à une jeune femme avec Facebook. Là, je suis digne. Dieu a dit que, allez-y, multipliez-vous. J'ai fait ce que Dieu a dit. Tu n'as pas dit que, allez-y, se met la haine des réseaux sociaux entre les peuples. Là, je m'ai entendu comme Bamileke. Quand je comme ça, j'ai vu. Quand je suis au Cameroun. Hein. Soigne au Cameroun. Celui qui a le Kadi, ce sont aussi des frères camerounais, Bamileke.
On a jamais vu là où un barmiquet te reçoit au Camerounais. Seulement écran. Et tu oses ouvrir ta bouche. Quand tu es cité machin là, tu es cité tous les écrans. Repliez-vous. Les gens s'embrouillent après ces déchets-là. Oui. Quand je suis comme. Je ne sais pas comment c'est comme ça, comme on est riche. On peut te voir là-bas, non. Soigne. C'est de la comparace. Non. Kadi. Voilà les. Ils sont nombreux comme ça. Qui sont riches au Cameroun. Pourquoi tu ne pars pas chez eux quand toi aussi on aide? Pourquoi c'est-tu chez nous? Oui. Nous avons là en prison ou pas, je m'en fous. Mais il t'a quand même aidé. Ma chance, c'est une écran. C'est elle qui t'a donné dans les pistes là. Pour des bien. C'est mon frère, c'est lui qui t'a fait entrer dans les bureaux. N'oublie pas ça. Tu dis ta soeur pour civiler ses amis entre les écrans. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous, on m'a laissé, on t'a choisi. On t'a choisi, n'est-ce pas? Nous, je tue où avec eux? Donc, si vous ne comprenez pas comment là, toi, tu commences. Lolo, tu es. Va, c'est que toi et moi. Tu sors pas, je ne suis pas des gens que tu menaces sur Facebook. J'ai mon temps de répit.